Tu voulais voir des boîtes à fromage? Oui, mercredi, dans le musée. Mais pourquoi? Ben tu vas en voir. La maison de la vache qui rit. L'entreprise Bell. Une entreprise familiale depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ce musée nous raconte comment et pourquoi Léon Bell, le fondateur, a transformé le gruyère en la plus célèbre des portions de fromage.
Monsieur est satisfait? Il a vu ses boîtes à fromage? Ah oui, il y en a beaucoup. J'espère qu'ils ont un grand frigo. Elles sont vides. Imbécile. Au village des Marcelles, à Villers-Robert. Ici, une centaine de sculptures en bois, entièrement réalisées à la tronçonneuse, nous racontent l'histoire du village, de la vie rurale d'antan à aujourd'hui.
village. Oui, c'est pire que chez nous. Ils se battent pour un bout de champ et racontent leurs exploits chez Yvonne. Dans ces conditions, je crois que moi aussi, je voudrais prendre le train. Oui, mais eux au moins, ils n'ont pas Gargamel dans les parages. À l'extérieur, le château et sa rue médiévale nous ramènent au Moyen Âge. Thank you.
Je suis en pleine digestion. Il nous emmène où, Marcel ? Dans les forêts, les pacolets et autres êtres facétieux nous font revivre les légendes locales qui hantent ces lieux depuis des centaines d'années. Mais ce serait gentil de ne pas nous abandonner ici. Vous ne bougez pas d'ici. Compris ? On n'en avait pas l'intention.
le pic d'Oliferne. Une randonnée de 8 km à travers une forêt de buis, nous emmenant sur les hauteurs du lac de Coiselet. Des crêtes, nous pourrons admirer la vue sur la vallée de l'Ain ainsi que la chaîne du Haut-Jura. Mais il manque le jacuzzi. Allez-y, je vais vous attendre ici. J'espère que t'as pris ton duvet, parce que tu risques d'attendre longtemps. Je peux pas dormir ici, il n'y a pas de champignons. Trouillard. Non, mais c'est étrange. On dirait le décor d'un film fantastique. Schtroumpfi, qu'est-ce que tu fouilles? C'est pas le bon sac. Je veux mon pique-nique, j'ai faim. On ne pourrait pas marcher à l'ombre, j'ai le bonnet qui brûle. Te plains pas, toi c'est le bonnet, pour d'autres c'est les pieds. Vous n'avez rien oublié? Non papa, moi j'ai tout rangé. Et moi, je n'oublie jamais rien. Vantarde. Et moi, je suis épuisé. C'est plus de mon âge. Le lac de Chaland, une randonnée de 10 km traversant campagnes et forêts,
nous emmenant au belvédère du lac où nous en profiterons pour pique-niquer. Pas de marcher sur le sandwich des autres. Ben c'est mieux que les cailloux. Les valises. Et quand je vois ton bazar, je me dis qu'il y en a pour un moment. Tes affaires, pas sur le lit. Je sais, mais je m'organise. Ah, ben on n'est pas couché. Je crois qu'on s'est fait remarquer. La serveuse nous a reconnus. C'est ici qu'on se sépare ? Eh oui, tout a eu fin. C'est quoi ces gros nuages noirs devant ? On peut faire demi-tour ? C'est quand les prochaines vacances ? Et on part où ? Eh, laisse-nous déjà rentrer. D'accord. Elles étaient chouettes ces vacances. On s'est bien amusés.